pourquoi dans la plupart des domaines, y a des brebis galeux souvent par centaines, qui tous les jours vivent au crochet des tribus, et gâchent la vie des honnêtes gens pleins de vertu. Quand ce n'est plus et l'orphelin et la veuve, qui sont aidés pour soulager leur épreuve, mais que prospèrent des profiteurs de tout poil, qui vivent mieux qu'en travaillant leur étoile. Dis-moi pourquoi dans la plupart des domaines, y a des brebis galeux souvent par centaines, qui tous les jours vivent au crochet des tribus, et gâchent la vie des honnêtes gens pleins de vertu. Comment comprendre qu'après maintes élections, tout se transforme en regrets et déceptions. Mentez, mentez, messieurs, dames, les fins politiques, cela fera le bonheur de votre boutique. Mondialisation, beaucoup de peuples travaillent avec passion. Nos syndicats sont campés sur toujours plus, et avantage à qui plaider mordicus. Dis-moi pourquoi dans la plupart des domaines, y a des brebis galeux souvent par centaines, qui tous les jours vivent au crochet des tribus, et gâchent la vie des honnêtes gens pleins de vertu. Pourquoi faut-il que quelques entrepreneurs jouent les gros bras et s'installent en oppresseurs, plutôt que d'imiter l'ensemble de leurs pairs dans la création de richesses salutaires? Dis-moi pourquoi dans la plupart des domaines, y a des brebis galeux souvent par centaines, qui tous les jours vivent au crochet des tribus, et gâche la vie des honnêtes gens pleins de vertu. Si pour certains les biens acquis c'est du vol, il est pourtant clair que le vol est un dol qui désespère victimes et marée chaussée, en générant une société angoissée.